Bonsoir, c'est le 20h. À la une, la situation qui prévaut à Kimpessé dans le territoire de Songololo, Congo central, nécessite une intervention urgente des pouvoirs publics. La population a décidé en charge entre les conséquences des dérapages et même des pertes en vies humaines. Dans un message, le ministre des droits humains annonce l'envoi sur place d'une mission d'enquête. Et puis, une belle prise pour la police nationale congolaise. Des inciviques communément appelés Kuluna, donc 22 au total, sont mis aux arrêts et présentés ce jour à la presse, résultat de la vaste campagne lancée par le patron de la police. Et pour terminer, la CEAC, c'est une structure regroupant les conférences épiscopales du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Cette structure a annoncé lors d'un point de presse tenu à Goma leur décision d'user de leur pouvoir ecclésial et prophétique pour le retour de la paix dans la région. Ce sont là les titres et merci de nous rejoindre. L'année 2024 démarre de la plus belle des manières à la présidence de la République pour les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Leur traditionnelle cérémonie d'échange de vœux autour du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a bien eu lieu. Un reportage que signe Patrick Michel Moukouya. En 5 ans, c'est devenu le rendez-vous souligné en gras sur les calendriers de diplomates. Ce membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo ont en grand nombre répondu ce mardi à l'invitation du président de la République pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Des instants précieux pour ce diplomate qui, par leur doyen et ambassadeur du Cameroun, ont félicité le chef de l'État pour sa brillante réélection et les efforts entrepris dans la diplomatie, étayés par les visites de hautes personnalités et l'organisation des grands événements comme les 9e Jeux de la francophonie. Dans ce contexte international en pleine mutation, le corps diplomatique souhaite accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place des institutions. Nous appelons de tous nos voeux l'émergence effective et réussie de la République démocratique du Congo sur votre mandature. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a présenté réciproquement ses voeux à ce diplomate, a également dans son allocution passé en revue les faits majeurs ayant caractérisé la marche de la nation au courant de l'année dernière. Le chef de l'État congolais n'a pas omis de souligner le contexte politique caractérisé sur le continent par la résurgence de changements anticonstitutionnels des gouvernements, le recul des libertés fondamentales ainsi que la fragilité des institutions. Nous notons avec satisfaction les avancées significatives du processus de réconciliation nationale qui prend cours en République du Tchad sous notre facilitation, conformément aux résolutions de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC en sigle. En dépit des progrès remarquables relevés ci-dessus, l'existence de quelques points chauds en Afrique doit nous préoccuper. Je pense particulièrement en ce moment précis à l'enlisement de la situation politique et sécuritaire du Soudan, mettant en péril nos frères et sœurs soudanais ainsi qu'une civilisation millénaire. J'entends ici interpeller la conscience morale des protagonistes et leur demande de déposer les armes afin de donner une chance à la paix. S'agissant de la crise congolaise avec l'occupation d'une partie du Nord Kivu par la coalition RDF-M23, le président Tshisekedi a notamment réitéré au nom de son gouvernement le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de même que le bien-être de ses populations. Un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Dans la convivialité la plus chaleureuse, le chef de l'État et les membres du corps diplomatique ont resserré un peu plus les liens diplomatiques déjà bien solides.
Cérémonie d'échange de vœux également au Sénat. C'est l'occasion de passer à l'évaluation du travail abattu dans un environnement teinté d'humanisme et de compréhension. Le président de la Chambre basse du Parlement, Bahati Lukwebo, a entre autres eu autour de lui les membres du bureau de cette institution. Sandra Nyangui. Le bureau du Sénat congolais a choisi le dernier jour du mois de janvier pour communier avec le personnel politique et administratif de la Chambre haute du Parlement. Une cérémonie d'échange de vœux qui a permis au président du Sénat, Modeste Bahati, de saluer une collaboration franche et sincère qui a caractérisé son mandat depuis l'avènement de son bureau le 21 mars 2021. Telle une grande famille, à chaque fois que les revendications du personnel arrivent au bureau, elles sont accueillies pas avec tristesse, mais plutôt avec humanisme et compréhension parfaite, car un chef est considéré comme un parent qui doit assurer l'avenir et la survie de ses collaborateurs, a dit Modeste Bahati Lukwebo, qui avait à ses côtés le premier vice-président Eddy Mundela, le deuxième vice-président Sangou Maté Mongonde Monsaï, la rapporteure adjointe Nathalie Boulansung, la questeur Carole Aguito et la questeur adjointe Ida Ndumba. Mais moi, notre devoir, c'est de toujours faire mieux. C'est vrai que nous sommes limités, c'est vrai que nous n'avons qu'une seule source, c'est le trésor public, et vous savez que la gestion du trésor public présente beaucoup d'aléas, d'incertitudes, et parfois notre volonté n'est pas toujours nécessairement rencontrée telle qu'on l'aurait souhaité. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que depuis que nous avons pris nos fonctions depuis le 2 mars 2021, nous n'avons cessé de fournir des efforts pour améliorer, un tant soit peu, les conditions de vie de nos collaborateurs que vous êtes. Faisant de la réforme du Sénat son cheval de bataille, le bureau Bahati a réussi à mettre en place un cadre de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales, mettre en place la digitalisation des services du Sénat, mais aussi l'inauguration du centre des ressources numériques, sans oublier l'amélioration des conditions salariales des cadres et la mécanisation des nouvelles unités et l'organisation des ateliers de mise à niveau pour les agents administratifs. Il y avait des défis complexes, mais aussi des grandes opportunités pour le personnel administratif et politique. Des efforts salués à juste titre par le représentant du secrétaire général de l'administration du Sénat en mission. Henri Djoka a dit la reconnaissance de cette chambre pour le rôle clé qu'a joué le bureau Bahati dans la promotion du dialogue. Cérémonie sanctionnée par une séance de salutation en guise de l'échange de vœux de bonheur et de succès pour l'année 2024. Comme dit dans les titres, la situation qui prévaut à Kimpese dans le territoire de Songololo nécessite l'intervention urgente des pouvoirs publics. La population a décidé de se prendre en charge contre l'insécurité, conséquence des dérapages et même des pertes en vies humaines. Dans un message, le ministre des Droits humains annonce l'envoi sur place d'une mission d'enquête. Extrait. La situation qui prévaut dans la cité de Kimpese, dans le territoire de Songololo, au Congo central, préoccupe au plus haut point les institutions de la République. C'est ainsi que une mission est diligentée, une mission conjointe intérieure, justice et droits humains, afin de faire toute la lumière sur la situation et établir les responsabilités qui s'imposent. Nous demandons à la population du territoire de Songololo et des environs d'être calme, de faire confiance aux institutions de la République parce que le gouvernement prend la mesure de la préoccupation de la situation et une réponse idoine sera réservée. Nous demandons à la population, à toutes les forces vives du territoire de Songololo, de mettre à profit la présence de cette commission pour exprimer toutes leurs préoccupations en toute liberté et en toute responsabilité. Personne ne sera arrêté pour avoir librement exprimé ses opinions. Et le gouvernement et toutes les institutions de la République réserveront la réponse qu'il faut pour que la paix revienne. Le droit à la sécurité est l'un des autres droits fondamentaux qui sont reconnus à la vie humaine. Un appel est lancé
à l'égard de la population, à toutes les organisations, au calme et à faire confiance aux institutions de la République. Le chef de l'État venait d'être élu et il fait de la sécurité des personnes et des biens sa plus grande préoccupation. Nous vous remercions. Et un message de la ministre d'État, ministre du Plan, en rapport avec la situation qui prévaut actuellement à Kimpessé. J'ai appris avec peine les événements malheureux survenus ces derniers jours à Kimpessé, territoire de Songololo dans le Congo central, et ont provoqué des morts parmi les manifestants et les forces de l'ordre. J'aimerais ici exprimer ma compassion et présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. J'invite la population au calme et à observer le couvre-feu décrété par les autorités provinciale afin de rétablir l'ordre. En ma qualité de fille du territoire, je comprends la frustration ressentie par de nombreuses familles victimes des actes de banditisme. Cependant, j'invite mes frères et sœurs à faire confiance en nos frères, en nos forces venues rétablir la discipline et en la justice qui va s'atteler à traquer les auteurs de ces actes ignobles et les condamner. Comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, vous n'êtes pas seul. C'est signé Judith Souminois, Toulouka, ministre d'État, ministre du Plan. Et une belle prise pour la police nationale congolaise, des inciviques communément appelés Kuluna mis aux arrêts et présentés ce jour à la presse, résultat de la vaste campagne lancée par le patron de la police à un pas dans la direction de l'éradication de l'insécurité dans la capitale congolaise. Cédric Kenina. Ils sont tous présumés coupables. Les voici devant les caméras de Kinshasa. Ils sont accusés d'avoir troublé l'ordre public pour certains. D'autres, extorsion, viol, vol, meurtre et tentative de meurtre. La police nationale a mis la main sur ces Kuluna à travers une vaste opération spéciale de bouclage de certaines communes initiées par le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Au total, 182 jeunes inciviques ont été capturés. Et dans le lot figure un imposteur. Il s'agit d'un faux major de la police qui s'est évertué à recruter des policiers. Il les voit accusés d'enlèvement, arrestation arbitraire et confiscation des biens des paisibles citoyens. Des actes qui ne resteront pas impunis, a rassuré à l'opinion le général Blaise Kilimbalimba. Il y a eu cette attaque de ces bandits et ils ont été traqués. Ils ont été tout de même traqués et les voici. Certains ont blessé, tué. On les a entre les mains de toutes les façons. Le travail des services de sécurité. Par ailleurs, le commandant de la ville de Kinshasa a tenu bien avant à la foire internationale de Kinshasa, une causerie morale à l'intention des unités de la police, ville de Kinshasa. Et il a rappelé sur place la mission dévolue à ces éléments, tout en réitérant sa détermination à mettre fin au banditisme urbain. La CEAC, c'est une structure qui regroupe les conférences épiscopales du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Elle a annoncé lors d'un point de presse tenu à Goma leur décision d'user de leur pouvoir ecclésial et prophétique pour le retour de la paix dans la région. Suivez. Face à la persistance de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous voulons prêcher les vivre ensemble. La cohésion sociale et la reconstruction du pays. Propos de Mgr José Moko, évêque d'Idiofa et président de l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale. Ces prélats comptent rencontrer dans sa démarche les chefs d'État et les décideurs de ces trois pays d'Afrique, notamment le Rwanda, la RDC et le Burundi, et voir également d'autres instances à l'échelle internationale. L'objectif est de faire entendre le voix des milliers d'habitants de cette région de la planète, victimes de guerres souvent injustes, voilà plusieurs années, et qui réclament rien que le retour de la paix. Le mot de la fin, c'est que tous nous devenions effectivement artisans de la paix, pèlerins de la paix, gardiens de la paix et sentinelles de la paix. C'est quand la paix vient à manquer que l'on voit son importance. Quand vous allez dans les camps des déplacés,
les camps des réfugiés. Vous voyez toutes ces personnes, ces enfants qui vivent dans des conditions infrahumaines. Vous comprenez que la guerre, la violence peut amener des situations inhumaines, invivables. Tous prenons la décision de travailler pour la paix. Les évêques réunis à Goma ont également insisté sur la paix dans la sous-région, l'harmonie entre populations des pays des Grands Lacs. Ces princes de l'Église ont rendu publique leur déclaration les dimanches et dans leur message, la substance renferme une demande pressante pour une paix durable dans les trois pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Une formation de remise à niveau sur le droit OADA et le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Les bénéficiaires en sont les magistrats, les avocats et huissiers de justice de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le premier président de la Cour de cassation a ouvert ses travaux. Nono Manseko. Outiller les praticiens des droits sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, c'est les motifs majeurs de la tenue de cette formation des remises à niveau des hommes en toge en droit au OADA ouverte ce mercredi 31 janvier 2024 par les premiers présidents de la Cour de cassation, Eli Léon Ndomba. J'invite le formateur à commenter article par article les dispositions les plus pertinentes des 108 nouveaux articles. Je ne terminerai pas mon propos sans présenter mes vives félicitations à Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a su identifier les besoins en formation de ses collègues et autres praticiens du droit à temps utile et qui a pris l'initiative de cette session. Pendant 4 jours, les magistrats et avocats, ainsi que la Chambre provinciale des huissiers de justice des différentes juridictions de la ville de Kinshasa vont passer au peine fin près des 108 articles modifiés par ces nouvelles actes en vue d'avoir la même compréhension de la loi afin d'éviter la fraude. Nous avons estimé une mise à niveau de nos magistrats et des autres juristes, avocats et juristes d'entreprise, pour mieux comprendre toutes ces modifications. Déjà le fait que nous suivons la formation avec les avocats et les autres juristes d'entreprise, les banques et les sociétés de télécommunications, qui sont très souvent victimes de cette procédure, ça va apporter que nous avons la même vision sur l'interprétation des lois. Ça va redonner confiance à la justice. Deux formateurs de renom venus du Tchad et du Cameroun ont été spécialement invités par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour partager leur expertise aux juristes congolais. Question de renforcer leurs capacités. Et on parle à présent d'améliorer la desserte en eau et en électricité dans le Grand Kasaï au Nord Kivu. Il en a été question au cours de l'échange entre Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques, et les représentants de 2 firmes internationales. Marie Kalong. Conduit par le député national Mwanza Singoma Amissi, les responsables de 2 firmes internationales, Symbiome Power et Mai Hydro, spécialisés dans l'électrification, ont échangé hier mardi 30 janvier 2024 avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mkaleng, dans son cabinet de travail. Ces 2 firmes internationales indiennes comptent développer plusieurs projets d'électrification, notamment dans le territoire de Kabeakamwanga, dans la province du Kasaï oriental, et le bloc gazier du lac Kivu pour l'électrification de la ville de Goma dans le nord Kivu. Comment le Congo a libéralisé le secteur de l'énergie, et un des défis que la population a, c'est l'accès à l'électricité. Les investisseurs qui sont Symbiome et Maya Hydro ont des projets actuellement au niveau du Kasaï pour un barrage sur la rivière Lubi et qui sera basé à Kabeakamwanga. Deuxième grand projet, c'est, il y avait eu des appels d'offres qui avaient été faits l'année passée pour les blocs gaziers au niveau du lac Kivu. Comme c'est de l'électricité qui sera produite aussi pour la ville de Goma, le ministère de l'énergie et ressources hydrauliques sont concernés. Les hôtes du ministre Olivier Mwenze Mkaleng se sont dit satisfaits de la volonté du gouvernement de la RDC de donner de l'électricité à la population, notamment de la ville de Mbujimayi et de la ville volcanique de Goma. Son Excellence a aussi une vision que effectivement les Congolais ont besoin d'avoir
accès à l'électricité. Le gouvernement veut augmenter la desserte en électricité. Des projets qui sont à plusieurs phases. Hein. Et la première phase dans le Kassai, c'est plus ou moins 4,5 MW, mais qui, donné le potentiel de la rivière Loubi, veut augmenter, arriver à 30 MW. Pour le Nord Kivu, avec le gaz méthane, c'est un projet de 60 MW, mais qui commencera d'abord avec, bien sûr, des phases aussi. Ça pourra commencer avec 15 MW, et puis ensuite, plusieurs centrales seront mises en place avec 60 MW. Ces deux firmes internationales espèrent l'accélération des démarches administratives pour la matérialisation de ce projet à impact visible et pour le social de la population. Et puis à l'Office national d'hydraulique rurale, le comité de gestion et la direction générale déterminée à relever les défis leur lancés. C'est ce qu'on peut retenir de la cérémonie de remise et reprise entre les comités entrants et sortants. Ndolo Demazu, reportage. L'Office national d'hydraulique rurale a pour mission de desservir l'eau potable en milieu rural à travers notamment des forages et puits d'eau, la construction et réhabilitation des sources aménagées ainsi que le traitement des eaux de surface à petite échelle. Le nouveau comité de gestion de l'ONHR, dirigé par son directeur général, l'ingénieur Asifiwe Yannick, s'est engagé à concrétiser cette mission, ce au cours de la cérémonie de remise et reprise avec le comité sortant. Le président du conseil d'administration de cet office se dit confiant quant à la réussite de cette mission. Il y a un défi à relever. Le comité dans son ensemble, avec l'accompagnement du ministère animé par Mineta Rubota, va s'atteler à amener des résultats. Ce travail-là, nous comptons sur chacun de vous. L'ensemble du conseil d'administration et la direction générale de l'ONHR ont remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour leur nomination et jeté des fleurs au ministre d'État en charge du développement rural, François Rubota Masumbuko, pour son soutien. Peu après, une visite a été organisée au sein de l'Office national d'hydraulique rurale, ce avant que le conseil d'administration et la direction générale tiennent leur première réunion. Et cette fois-ci, autour du chef de la mission de la maison civile du chef de l'État, les élus et les non-élus du Grand Kassai, l'heure était à l'évaluation du processus électoral, mais surtout à la réflexion sur les moyens de développer cette partie de la République. Patricia Ongo. La réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême et avoir une majorité parlementaire pro-Fatshi sont là les deux objectifs atteints sur le 3 qui était poursuivi par le Forum Centre. Cette rencontre qui a réuni les dignes fils et filles du Grand Kassai autour d'une même table leur a permis d'évaluer les travaux abattus pendant la campagne électorale, ainsi que le partage d'expériences des candidats élus à la députation nationale. Il était aussi question d'encourager les non-élus d'avoir osé dans cette aventure. Les coordonnateurs du forum et chef de la maison civile du chef de l'État, Bruno Mitéo, s'est exprimé à ce sujet. Ensemble, nous avions posé les jalons de ce qu'il sera convenu d'appeler Forum pour la cohésion de la région centre ou tout simplement Forum Centre. Avec mission essentielle de mobiliser toutes les énergies de la région autour de trois choses essentielles, à savoir, 1. Le développement intégré de cette région centre, 2. La réélection de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, 3. L'élection d'une majorité parlementaire, on l'appelait et on l'appelle Fatigue. Ce qui reste à faire, c'est le développement de l'espace Grand Kassai qui figure parmi les trois objectifs du forum. Enfin, un message de félicitations au président de la République a été lu à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. Cinq regroupements politiques font bloc autour de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État à l'issue d'une matinée d'évaluation. Ils s'engagent à accompagner le chef de l'État dans la consolidation des acquis de son premier mandat. Robert Ndaye. C'est une évaluation sans complaisance du procès électoral effectué par cinq regroupements politiques
autour de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claudie Balanquier-Colomba. Le quatrième cycle électoral a été scruté point par point en relevant des irrégularités, mais aussi les points forts de ce processus. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claudie Balanquier, est porte-parole de ce présidium a, en cette période, des traitements de contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle, appelé les Congolais à la vigilance. Les partis et regroupements politiques, reconnaissant voir régulièrement concouru aux élections du 20 décembre, ont réaffirmé leur soutien et loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la réélection, à laquelle ils ont activement contribué, constitue une étape importante pour la consolidation des acquis. Claudie Balanquier-Colomba a, au nom de ses pairs, félicité le président de la République et rassuré de leur engagement commun pour la réussite de son deuxième quinquennat. Nous profitons encore une fois de plus pour les féliciter et lui rassurer de notre engagement commun et solennel de l'accompagner pour la réussite de son nouveau mandat présidentiel que le vaillant peuple congolais vient de lui confier. C'est donc une sélection du président pour une fois de plus et que le deuxième mandat, nous allons l'accompagner avec force et sans bonnie condition. Tous restent convaincus que certaines dispositions de la loi électorale doivent être revisitées, surtout en ce qui concerne le seuil électoral. Il y a également ces deux véhicules Land Cruiser remis aux évêques des diocèses de Tchoumbé et Bassankoussou, un cadeau du chef de l'État Félix Tshisekedi pour soutenir l'évangile. Ils ont réceptionné ce don au Palais de la Nation. Gilles Tshitumbaye. Ils ont reçu ces Land Cruiser 4x4, cadeau promis par le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo lors de leur ordination comme évêque. Il s'agit de Mgr Libert Pongo, évêque de Bassankoussou, représenté par M. l'abbé Antoine-Marie Mboukou, et Mgr Vincent Tshomba, du diocèse de Tshoumbé, représenté par M. l'abbé Bernard Kasongo. C'est M. l'abbé Théo Tshilumba, conseiller principal du chef de l'État en charge de l'éducation, recherche scientifique, culture, arts et questions religieuses, qui a présidé la cérémonie. Grande joie pour les bénéficiaires. Comme représentant personnel de Mgr l'évêque, Mgr Vincent Tshomba, que je viens ici pour recevoir ces dons du président de la République, nous lui disons énormément merci. À un moment donné, on a cru que ça ne se ferait pas, parce que ça fait une année et quelques mois que Mgr Vincent a fait la prise de possession canonique du diocèse de Tshoumbé. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Nous venons de prendre les cadeaux, les véhicules que son Excellence Monsieur le Président a donné à l'évêque. Nous lui remercions, nous lui présentons nos sincères remerciements au nom de l'évêque. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier Monsieur le Président, parce que les jours de l'ordination de Monseigneur, il a envoyé une forte délégation. Ça nous a beaucoup impressionnés. Ces cadeaux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, serviront de mobilité de ses évêques pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien avant, les gouvernements congolais, sur l'initiative du chef de l'État, avaient mis à la disposition de chaque diocèse catholique un montant de 1 million de dollars dans le cadre des projets sociaux à impact visible. Et après la plénière inaugurale de la nouvelle législature à l'Assemblée nationale, nous avons recueilli quelques réactions des députés nationaux qui s'engagent à travailler dans le sens de matérialiser les 6 axes prioritaires du programme d'action du chef de l'État évoqué dans son discours d'investiture. Suivez-les au micro de Mireille Ndeke. Donc il s'agit d'une législature importante qui devra accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de ce deuxième mandat, où lui-même a promis de placer notre pays d'une façon irrémédiable, placer notre pays sur l'orbite du développement. S'agir d'une législature forte qui assure sa mission constitutionnelle. Nous sommes regroupés pour faire monter les valeurs. Et deux, au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent. Comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture? Parce que tout le monde attend. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Je travaille pour le peuple. Et maintenant, je suis député. Je vais défendre les désirs du peuple. La mort,
Je vous remercie sincèrement. Nous avons commencé avec vous dès le début jusqu'à me conduire ici au Parlement. Et qu'on s'allasse pour saler la peuple. À ces jours, comme je vous ai toujours dit, mon objectif, c'est de travailler pour le peuple. Sachez que votre maman ne changera pas. Notre porte restera toujours ouverte comme d'habitude pour vous. Venez nombreux pour que demain, je ne travaille pas seul. Le chef de l'État lui-même avait dit que nous devons voir comment respecter ces 6 piliers. Et donc, comme député, on doit voir comment faire de proposer des lois qui pourront appuyer un peu les 6 piliers, notamment la question d'emploi des jeunes, la question d'industrialisation du pays, la question des désenclavements. Vous verrez, par exemple, chez moi, à Fizi, faire Baraka jusqu'à Missisi, c'est devenu un problème très sérieux. Et tout ça, nous devons aider les chefs de l'État à mettre des textes en jeu pour l'aider un peu à répondre à ce besoin-là de la population. Ils nous ont élus sur base de notre discours. Maintenant, nous avons été élus et ils nous ont donné mandat. Et le mandat donné, il faut qu'ils sachent que nous avons des obligations. C'est d'abord être les vrais porte-parole. Et nous ferons de notre mieux pour que nous soyons effectivement les vrais porte-parole. Et retenez aussi que le parti politique APOSEM et ses 13 députés nationaux quittent le regroupement politique AAAP pour rejoindre la grande famille politique UDPS et alliés. Ils désapprouvent la décision, disent-ils, unilatérale de leur chef de regroupement d'intégrer la nouvelle plateforme dénommée PCR. Alain Bikaye. Conduit par leur secrétaire général auprès du numéro 1 de l'UDPS et membre du présidium de l'Union Sacrée, Honorable Augustin Kabuya, les 13 députés nationaux du parti Alliance des paysans, des ouvriers et des classes moyennes pour un développement durable à APOSEM, d'Abdon et Tina, sont venus signifier au chef du parti présidentiel leur désapprobation de la décision unilatérale prise par les chefs du regroupement AAAP de rallier les rangs de la nouvelle plateforme PCR. Le bureau politique de ce parti a pris les décisions de quitter ce regroupement politique pour adhérer à la famille politique UDPS et alliés. Avec ses 13 élus nationaux et 15 provinciaux, APOSEM veut soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la matérialisation de sa vision pour le bonheur de la population. En rassemblant, l'honorable Augustin Kabuya a prêché l'unité, la loyauté au président de la République, qui est le chef de la majorité, avant de leur assurer son soutien. Ce n'est pas à l'UDPS seul que vous avez porté votre choix, c'est à la personne du chef de l'État. Puisque c'est lui, le président de l'UDPS, mais vu son statut actuel, il ne peut pas exercer ses fonctions de président d'un parti politique comme chef de l'État. Vous avez porté votre choix sur la personne du chef de l'État. Pour lui offrir votre expertise, votre soutien, comportons-nous comme des députés qui vont soutenir le président de la République jusqu'à ce qu'il termine son deuxième mandat. Si votre collègue député, je serai avec vous là-bas, que personne ne vienne vous dire non, voilà nos intérêts, non. Tout ce qui vous revient seront protégés. Dans une déclaration politique rendue publique, ces partis reprochent au chef de leur regroupement politique d'avoir violé l'acte fondateur du regroupement AAAP qui stipule que les partis politiques et personnalités indépendantes membres de ce regroupement s'engagent à la solidarité sans réserve aux actions de l'UDPS. Voilà. Des nouvelles du parti Lumumbiste unifié. Didier Manzenga élu nouveau secrétaire général de cette formation politique à l'issue du congrès extraordinaire tenu ce mercredi à Kinshasa. Vital Paga Bita. Les choses sont allées très vite après la destitution par le bureau politique du secrétaire général et chef du parti Lumumbiste unifié, Willy Makiachi, le 23 janvier 2024, place au congrès extraordinaire pour l'élection du nouveau secrétaire général. Ce 31 janvier 2024,
Les congressistes, composés notamment des membres du bureau politique, des chefs d'organes de base, auxquels il faut ajouter les délégués des 26 provinces, ont pris acte de cette destitution juste après les mots d'ouverture des travaux par le secrétaire général intérimaire, Didier Mazenga Mukanzu, du reste candidat unique au poste du secrétaire général. Ce congrès dit de la cohésion et de l'unité pour principal objectif d'exhumer les valeurs lumumbistes, de porter haut la voix du Palu et de faire triompher ses idéaux. Si le Palu d'hier était celui de la division, de la haine, du rejet et du tribalisme, le Palu que nous voulons aujourd'hui est celui qui veut voir les militantes et militants ici de l'idéologie de Lumumba et de Kizenga unis et forts. Tout compte fait, les congressistes ont élu par acclamation Didier Mazenga Mukanzu, nouveau secrétaire général et chef du parti lumumbiste unifié Palu, comme le témoigne le président de la commission du congrès, Robert Ngambi. Ayant enregistré une seule candidature, celle du camarade Didier Mazenga Mukanzu, et qu'à l'acclamation d'une manière unanime, les congressistes se sont prononcés en votant par acclamation les camarades Didier Mazenga Mukanzu, qui par ce fait devient le secrétaire général chef du parti lumumbiste unifié. Aussitôt après son élection, le nouveau secrétaire général et chef du parti lumumbiste unifié a reçu tous les insignes du pouvoir. Cérémonie rehaussée de la présence de plusieurs personnalités, dont députés et sénateurs, quelques membres du gouvernement, sans oublier les partenaires politiques du parti lumumbiste unifié. Et un dernier élément en image, le nouveau quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été dédié à Dieu au cours d'une messe d'action de grâce, messe organisée par le bourgmestre de la commune de Ndjili, Pingalié Mambumba. Reportage signé Nadine Yango. Cette messe d'action des grâces organisée en la paroisse Sainte-Thérèse d'Ndjili était une occasion pour les habitants de cette municipalité de rendre grâce à Dieu pour les bons déroulements du scrutin du 20 décembre 2023 et surtout placer entre les mains de Dieu le second mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu à la tête du pays avec 73,47% des voix. L'initiateur de cette célébration eucharistique, le bourgmestre d'Ndjili, Papingalé Mambumba, en donne ici la portée. Rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis à ce que les élections se passent dans la paix et que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit réélu à sa propre succession et investi comme président de la République. Ensuite, pour que le chef de l'État soit éclairé par la lumière du Saint-Esprit et soit inspiré par le Seigneur Jésus pour que notre pays retrouve sa place d'antan. Moment indiqué pour les curés de la paroisse, l'abbé Hippolyte Kisata, d'inviter les uns et les autres à respecter les autorités établies, car toute autorité vient de Dieu, a-t-il ajouté. Et nous allons terminer par ce communiqué de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP. Communiqué, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en collaboration avec l'Inspection générale des finances, présidera ce jeudi 1er février 2024 à 10h au fleuve Congo Hôtel la cérémonie de remise de brevets aux commissaires aux comptes au sein des établissements publics. Y sont conviés le président du Conseil supérieur du portefeuille, les présidents du conseil d'administration des établissements publics, les directeurs généraux des établissements publics, les commissaires aux comptes des établissements publics. Vu l'importance de cette cérémonie, la NEP invite vivement les mandataires des établissements publics à y prendre part. L'administrateur secrétaire exécutif Patrick Ngoulou signe le communiqué. Retrouvez Bobo Anan Mokondi à 23h. Madame, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.